choisi pour venir s'inscrire ici là parce que je ne connais pas écrire et à lire. C'est pourquoi je suis venu pour apprendre aussi à écrire et à lire. Pour avoir même le cahier de mes enfants. Quand ils rentrent, tu sais que les enfants de mes grands sont têtus. Même si ils sont allés à l'école, dès qu'ils rentrent, je vais quand même au moins voir la date. Si ils ont travaillé à l'école. En temps normal, il faut au moins les gens qui est la même tranche d'âge. Mais comme il y a des parents, des enfants qui ont des parents, qui n'ont pas de parents ici, qui viennent comme ça, on est obligé de les prendre comme ça. Mais sinon, ce n'est pas évident. Il y a d'abord la capacité intellectuelle, qui n'est pas facile. Parce que les adultes ont des problèmes sociaux, professionnels, les familles, les problèmes familiaux, problèmes de grossesse, un peu, c'est pas facile. Donc c'est difficile de comprendre, il faut aller doucement, doucement. C'est pas, non pas les mêmes problèmes que les, peut-être ceux qui ont peut-être 14 ans, 15 ans, les plus jeunes. Il y a ceux qui composent le cercle et qui réussissent chaque année. Nous avons constaté qu'ici, il y a beaucoup de personnes, les sortissants du Nord, qui ne savent pas lire ni écrire, pour pouvoir les aider à s'intégrer dans la société, surtout ici à Yaoundé. Nous avons voulu aider ces personnes à savoir écrire et lire le français. Avec ça, nous pouvons travailler avec eux et ça va les aider aussi à s'intégrer dans la société.